Tu sais quoi, Émilie? Aujourd'hui, je vais être médecin. Je vais aider et soigner tous mes amis. Je sais, cette cuisine sera l'hôpital parfait. Abracadabra, la cuisine se transformera en hôpital. Youpi! Je suis un médecin! Je suis un médecin! Qu'est-ce que c'est? Sûrement rien. Peu importe, je vais prendre mon petit déjeuner. Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce qui s'est passé? Tani, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas, Miss Fufu? Je suis médecin, pour aider les gens à aller mieux. Voyons ce qui ne va pas avec toi, Minou. Avec moi? Rien. Tout ce que je veux, c'est manger, parce que j'ai faim. Prends ça, Miss Fufu. Tu vois, je t'ai aidée. Lily! Qu'y a-t-il? Ma bouche me fait mal. Entre! Le docteur Tani peut t'aider. Bonjour, Tani. Bonjour, Lily. S'il te plaît, assis-toi sur le lit. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Je mangeais juste du chocolat. Et ma dent a commencé à me faire vraiment très mal. Je vois. On doit regarder tes oreilles, Lily. Quoi? Mes oreilles? Voyons voir... Eh bien, ça semble aller. Mais tu vois, mes dents me font mal, pas mes oreilles. J'ai peur de ne pas connaître les dents. Miss Fufu, Miss Fufu, j'ai besoin de ton aide. Miss Fufu, le chat est à la rescousse. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, les dents de Lily lui font très mal. J'ai regardé ses oreilles, elles vont bien. Donc ça doit être sa gorge qui a un problème et avec la fièvre, elle a attrapé un rhume. Oh, oh, oh. Mais je suis venue ici qu'avec un mal de dents et... Maintenant, j'ai attrapé un vilain rhume. Achou! Achou! Allez, Lily, tu n'as pas froid. Ouvre grand la bouche. Je vois le problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Attends juste une minute. Est-ce que ça fait encore mal? Non! La douleur s'est arrêtée, Miss Fufu! Tu avais une dent de lait qui était sur le point de tomber! Oh! Est-ce perdu une dent? Et comment nous allons régler ça? C'est une dent de lait qui tombe pour faire place à une toute nouvelle dent plus solide! Et regarde, c'est vraiment cool! Parce que tu la mets sous ton oreiller la nuit et puis la petite souris arrive pour t'apporter un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! Yay! Wouhou! Ah bon? J'en veux un aussi. Quand ma dent va-t-elle tomber? Elles tombent quand elles doivent tomber. Ok, je vais mettre ma dent sous mon oreiller. À plus tard! Je vais finir mon déjeuner. Ok. Bon, j'ai enfin fini. Oh! Quelle bosse sur la tête! Oh! Oh, ça fait vraiment très mal. Je ferais mieux d'aller voir le docteur Tani. Bonjour, Miss Fufu. Je suis venue ici pour voir le docteur Tani. Oh mon Dieu! Bonjour, docteur Tani. Bonjour, Monsieur Monine. S'il te plaît, assis-toi sur le lit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis cogné la tête. Regarde! Miss Fufu, aide-moi! Je le savais. Maintenant, que s'est-il passé? Miss Fufu, Miss Fufu, Monsieur Monine saigne. Et nous devons mettre un pansement sur toute sa tête. Non! Non, 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 non. Eh bien, que devons-nous faire alors? C'est une petite coupure qui a besoin d'attention. Oh non! Ça doit faire mal! Nettoyons la plaie. Ne t'inquiète pas, Tani. Ça ne fait pas mal. Je vais bien. Oh, Dieu merci. Maintenant, un petit pansement et tout ira mieux. Hé,
Comme c'est beau! Puis-je en avoir un aussi? Je suis heureux maintenant. Merci beaucoup, les amis. Merci, Missifu. Eh bien, nous verrons. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Je vais m'allonger sur le canapé. D'accord. Bonjour, monsieur Ogre. Je vois que vous êtes le prochain patient aujourd'hui. S'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas chez vous. Je n'entends rien! Non! Pas maintenant! Que se passe-t-il maintenant? Missifu, mes oreilles ne fonctionnent pas! Je n'entends rien! Calme-toi, Tani! Tes oreilles fonctionnent bien! Tu peux entendre! Mais monsieur Ogre parle et je ne l'entends pas! C'est normal, je ne l'entends pas non plus! Pauvre Missifu, tu as toi aussi un problème avec tes oreilles! Tani, ce qui se passe, c'est que monsieur Ogre n'a plus de voix parce qu'il l'a perdue! Perdue? Oh! Mais comment? Monsieur Ogre, ouvre la bouche! Oh là 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 là! Vous avez la gorge rouge! Tiens, je vais te donner des médicaments! Monsieur Ogre, voici ton médicament. J'espère que tu iras mieux très bientôt. Tu sais, Missifu, je pense qu'il vaut mieux que je redevienne une petite sorcière. Je pense que c'est pour le mieux, Tani. Eh bien, je pense que je pourrais devenir médecin! Ce bruit. On dirait que ça vient du placard. Ah ! Quelle frayeur ! Maintenant, comment puis-je m'habiller pour vraiment effrayer Missifu? Abracadabra, et maintenant je suis Tani l'araignée. C'est vraiment joli, mais j'y pense maintenant. Missifu adore les araignées. Abracadabra, Tani l'araignée devient Tani le monstre. Mouahahaha! Je ressemble à un bonhomme tout vert, donc ça ne lui fera pas peur. Oh, je sais! Abracadabra, Tani le monstre devient Tani la tortue! Oui, c'est mieux! Maintenant, je sais que Missifu a peur des tortues, car quand il était petit, il a été mordu par une tortue! Missifu, Missifu! Missifu, réveille-toi! C'est une tortue! C'est une tortue! Tu m'as vraiment fait peur, Tani! Ah, oh, comme c'est beau! C'est génial! Miaou.
c'est l'heure du petit déjeuner! Il ne manque plus que quelques lumières et... Je sais, je vais mettre une pancarte. Mais comment je vais l'appeler? Abracadabra! Oh, incroyable! J'adore! 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 Cheveux! À voir, à voir! Je ne suis pas convaincue! Je vais essayer une autre coiffure! Et maintenant, la farine! Aïe, 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 ouch! Comme c'est amusant de cuisiner! Maintenant, les œufs! Oh! Eh bien, tout va bien! Maintenant, je vais mettre un peu de ça... Oh, et de ça aussi. Et ça. Oh, et ça ici. Bien sûr, ça a l'air bien. Même si je ne sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas grave. Et maintenant, remuer, remuer, remuer. Comme c'est facile de cuisiner. Hein? Le restaurant de Tani? Comme c'est beau! Super, parce que j'ai faim. Serveuse, serveur. Mon premier client, youpi. J'arrive, j'arrive. Bonjour, monsieur Missifu. Que souhaitez-vous avoir? Oh, Tani, comme c'est formel. Je voudrais 2 muffins au chocolat. Je vous les apporte tout de suite, monsieur Missifu. Vous verrez comme ils sont bons. La 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 la. Quel succès, quel succès! Vous allez les adorer, monsieur Missifu. Oh, ils ont l'air bons! Et qu'ils sont beaux! J'espère que tu les aimeras. C'est sûr que oui! Miam 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 miam. Ah, de l'eau! De l'eau! De l'eau! Je ne comprends pas, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Je vais essayer. Ils sont horribles. Je pense que tu as mis du sel à la place du sucre. Je suis désolée, le truc c'est que le sel et le sucre ont la même couleur. Ne t'inquiète pas, Missifu. Je t'apporte tout de suite ces 6 citrons que j'ai faits. Ceux-ci sont délicieux à coup sûr. Non, monsieur! Non, monsieur! Au four! Et maintenant, je l'allume. Et ces 6 citrons pour Missifu. Prenez, Missifu. Vous verrez à quel point ces muffins au citron sont rafraîchissants. Quelle odeur de citron! Ah! Épicé! Épicé! Oh! Tu l'es! Tu l'es! Tu l'es! Glou, 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 glou! Et maintenant, que s'est-il passé? Désolée, Missy
Tifu. Je pense que j'ai mis quelque chose qui pique dessus. Tani, tu ressemblais à un dragon et tu as dit tchou-tchou. Ne t'inquiète pas, Miss Tifu. Maintenant, je t'apporte ce que j'ai au four. Ceux-là seront délicieux. Arrête ça! Non, ne t'inquiète pas, Miss Tifu. Je vais les chercher. Bonjour, Miss Tifu. Salut les amis! Nous sommes venus ici pour manger. Pauvres âmes! Tani prend trop de temps. Je vais la chercher. Tani! Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai brûlé les muffins. Et maintenant, tous nos amis sont là-bas. Je n'ai pas de bons muffins à leur donner. Calme-toi, Tani. Je vais t'aider. Donne-moi ta toque. Merci, Miss Tifu. Commençons à cuisiner. Maintenant, je les décore. Et cuis. Quelle belle allure! Les amis, comme cela semble amusant! Que souhaitez-vous avoir? Pour moi, un muffin au chocolat avec des myrtilles et des fraises. Je voudrais un muffin au noix avec du citron et du beurre de cacahuète. Eh bien, je veux celui aux carottes magiques. Très bien! Je vous les apporte tout de suite. Ma petite sœur le fait tellement bien. Chante-moi la demande, Tani. Un muffin au chocolat avec des myrtilles et des fraises. D'accord. Ici. Un autre de noix avec une sauce au citron et aux cacahuètes. Parfait. Et une de carottes magiques. Bon choix. C'est sûrement pour Monsieur Monine. Voilà, j'apporte vos cupcakes, les amis. Celui de la carotte magique pour toi. Youpi! Celui aux noix, citron et beurre de cacahuète pour Monsieur Ogre. Ça a l'air bon. Et pour ma petite sœur Lily, celle au chocolat, aux myrtilles et aux fraises. Merci, Tani! J'adore ça! Ici, Tani! Déjeunons-nous aussi! Oh, merci, Miss Tifu! Tu es mon meilleur ami! Et toi, la mienne! Miam, 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 miam! C'est délicieux! Je le sais déjà!